Parole de Beaucaire, c'est Alain qu'il vous faut. Ah ouais, regarde, il n'est pas dit que votre député va vous laisser tomber. Oh non, madame! Parole de Bocage, c'est Alain qu'il vous faut. Oh non, puis il n'est pas dit que votre député va parler fort comme ça ce matin non plus, hein? C'est le 10e appel qu'il reçoit depuis quelques jours. Les commerçants du Carrefour 2000, non seulement je les apprécie, madame, mais je les aime! Il y a un gros 2000 tatoué sur le cœur. On commence pas ça toi aussi. Tu sais que t'as un petit coco fragile depuis ta commotion, hein? Non. S'il faut se battre, là... Non, ta musique, là, j'essaie d'écouter pas. Oh! Oh oui, madame, oh oui! Ma musique, c'est Relax au Max. Une méthode de relaxation sur Internet. Veux-tu l'essayer? Je vous ai parlé de mon idée de rallye. Eh ben, ils vont finir par mettre une statue toi devant l'entrée du Carrefour 2000, hein? Ou faire appeler ça le Carrefour Bocage. T'es donc bien énervé, toi, ce matin. Regarde. Relax. Faux Max. Non, non, regarde, c'est pas aujourd'hui que je vais me calmer. J'ai pris une grosse décision. Personne se présente pour être représentant de classe. Personne veut s'impliquer, puis le vote, c'est aujourd'hui. C'est un désastre épique. Pourquoi tu te présentes pas, toi? Je peux pas, là, à cause de ma position. Ah, t'es là, ici. J'ai comme un stress, là, t'as pas répondu à mon texto. J'ai répondu au 32 que tu m'as envoyé depuis ce matin. Non, non, je sais, mais pas lui, là, l'autre, le dernier. Hein? 33 textos depuis ce matin? Il me semble qu'on s'est entendu pour que tu prennes ça mollo le temps que tu sois complètement remis. Je vais faire comme mon père. On est pareil, lui puis moi. Tu vas avoir ta statue dans l'entrée du Carrefour 2000? Mieux que ça. Je vais devenir représentant de ma classe. Oh oui, madame. Donc, comme je disais, pour la représentante de classe... Oh, t'es trop cute! Tu fais tout le temps la même erreur! Regarde, monde, il dit « je trotte ma blonde belle » au lieu de « je trouve ma blonde belle ». C'est mon correcteur automatique qui fait ça, là. Pour en revenir à ce que j'étais en train de te dire, c'est ça non pas qu'est-ce que pour tu penses de celui-là? Je trotte ma blonde très intelligente. Oh. Bon, écoute-moi, Félicie. Toute la classe a besoin de toi, puis je peux t'aider. Excuse-moi, c'est parce qu'on discute ma blonde puis moi, hein? Hey, pas. Hmm? Moi aussi, je me lance en politique. Ah, ta boy! Ça, c'est mon gars, ça, hein? Oh, et encore une belle brûlure d'estomac pour le député Bocage. Je sais, enfile ça. Hmm? Ouais, c'est aujourd'hui que toi et moi, on relaxe. Hmm? Puis ça, confisqué. Dis-moi donc, le fils de son père, ça représente quoi, ce représentant? La classe. Hmm? Ça représente quoi comme tâche? Oh, quasiment rien, là. 2-3 gogosses. Hmm. Hey, c'est normal qu'on demande ça à l'élève le plus politique. Non, je voulais dire la plus populaire de la classe. Vincent, t'as fait un lapsus. T'as dit politique au lieu de populaire? Ouais, pis? N'exagère pas, Francis. Vincent suit toutes les recommandations du médecin. Vincent, il a peut-être l'air correct de même, mais ça veut rien dire. Hé, hey, le spécialiste, oublie pas ton, ton... Oh non! J'ai échappé ton beau crayon par terre. Oh, je suis peut-être malade, hein? Tu vois que j'avais raison, il était même pas capable de dire crayon. Bye, bonne journée. Bye, bonne journée, mon loup. Vincent! Oh. Hey, ça va-tu? Es-tu correct? Oh. Hey. Oh, je me suis fait super mal. J'ai-tu une bosse, moi? Non, ça a l'air correct, là. Oh. Oh. OK, là, si ton frère se sent pas bien, tu lui dis de revenir à la maison. C'est tout, OK? OK. Hey, tu le laisses partir. Hey. Vincent! Vincent! Bye, bonne journée, là. Oh, OK. En tant que rédactrice en chef, je représente le journal de l'école. Un journal doit rester neutre, hein? Ça serait pas correct si moi je me présentais. Puis si Félicie fait tout seul, hein? Il reste quoi comme temps pour voir son chum? Elle t'enverra des textos. Ah, Félicie, t'en penses quoi? C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Hey, tu me demandes pas mon avis? Pas besoin, je l'ai. Un bon chum, ça appuie sa blonde? Ben oui, hein, tu vas m'appuyer, Rapado? Oui.
Vincent Bocage, représentant! Wouhou! Excuse, c'était dans mon chemin. Tu me dois le respect, Maud. Je suis ton futur représentant. Oh! Je pense pas, non. Tu sais, Vincent, pour être représentant, il faut commencer par se faire élire. Mais oui, mais personne va aussi se présenter contre Vincent Bocage. Parce qu'il y a personne de plus populaire que Vincent Bocage. Oui, il y a Félicie, puis je vais l'aider à gagner. Ben, tu veux pas? Non, comment ça? Parce que... Hey, populaire peut-être, mais pas clair, hein? Pourquoi faire des affiches? Tu le sais bien, tu perds ton temps. Sérieux, tu devrais réfléchir un peu. Il y a plus de filles que de gars dans la classe. Puis les filles, ça va être pour qui d'habitude? Pour les filles. Ça va? Quoi, j'ai pas l'air de bien aller? Ah, oh, ma belle blonde, t'es là. Je te cherchais. Tu fais quoi? Je te prépare pour une grosse humiliation. Par qui? Tu veux-tu que je te défende? Mais non, fais juste lui dire que le représentant de classe, ça peut rien qu'être moi. C'est vrai, ça, ma blonde. Tu sais, si Vincent, il se présente, ben, il sera pas facile à battre. Hein? Quoi? T'es censé être de mon bord. Tu me défends pas. Je suis toujours de ton bord, voyons. On va bien voir lequel de nous deux la classe va choisir. Rapadou, peux-tu vérifier les affiches tant que ça imprime, s'il te plaît? On va les distribuer durant les cours. Merci, t'es fin. C'est quoi le trip de vouloir être représentante de classe? C'est quoi le trip de monopoliser l'imprimante? Qu'est-ce que je fais pour me faire voir, moi? Allô, Maud, t'as pas vu mon frère? Ah, oh, lui. Parce qu'il répond pas à mes appels depuis tantôt. Puis, mais c'est pas que j'ai peur qu'il se soit évanoui dans la toilette, là. Non, je l'ai vu tantôt, ouais. Toujours aussi baveux avec ses super bonnes blagues, là. Oh, ben, je... Parce que... N'importe quoi. C'est lui qui parlait comme ça, là. Il trouvait plus ses mots. Ouais. Et rien d'intéressant à dire, ça fait qu'il dit rien. Puis il pense se faire élire avec ça. Ah, ouais. Puis, t'as-tu remarqué quelque chose d'autre de bizarre? Mais quand je suis entrée dans la classe, tantôt, il se prenait pour Leonardo DiCaprio dans Titanic. OK, c'est vraiment grave. Oh, qui veut être représentant? Mais on laissera pas faire. Faut vraiment que je retrouve mon frère. Bye! Tu sais, Vincent, là, pour gagner des votes, il faut avoir quelque chose à offrir. Il faut savoir faire quelques promesses, mais des promesses réalisables. OK. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Ah, puis l'humour. Faut jamais sous-estimer l'humour. Genre, si tu te prenais en photo avec ton kit de relaxation puis tu mettais ça sur Facebook, tes électeurs triperaient? Non, c'est pas ça que... Ah, oh, merci pas, on est tellement pareils, toi puis moi, c'est fou. Non, c'est pas vraiment ça que j'ai dit, là. Faut que je te laisse, là, parce que j'ai des votes à gagner, hein. C'est-tu le détecteur de fumée que j'entends chez nous? Ah, non, ça, c'est un CD, c'est des chants de baleine. Ta mère a dit que ça nous prend ça pour relaxer. Mais courage, mon homme! Ouais, surtout pour toi. Ah, salut, c'est Vincent. Je voulais savoir est-ce que ça se pourrait de faire une petite livraison à mon école aujourd'hui. Ouais, à mon nom. Bon, Vincent, t'es là. Ah, je savais que je pouvais compter sur mon GC. Donc, ma commande, tu sais, les petits paquets de jujubes? Moi, je t'en prendrais, mettons, une vingtaine. Moi, ça, tu sais pas si t'en restes. Comment ça, je t'entends? Ok, c'est beau, là. Va vérifier, je t'attends. Vincent, comment ça, je t'entends? Parce que je parle. Ça, l'entends-tu? Ça, là, c'est une sonnerie que j'ai fait télécharger au monde de ma classe pour qu'il pense à voter pour moi. Voilà. Hein? Oh oui, Jussie, attends une minute. Non, j'ai pas fini. Ouais, des rouleaux de pansement aussi, s'il te plaît. Mettons, je sais pas, une dizaine. Pourquoi t'as besoin de pansement? Tu t'es encore cogné la tête. Ah, t'es trop cool. Merci, Jussie. Parce que moi aussi, regarde. Non. Le pansement, là, c'est un moyen pour rentrer dans la tête des gens sans trop d'efforts. Je comprends pas trop ce que tu racontes, mais ça se peut que tu dises des affaires bizarres à cause de ta commotion. Rien. L'affaire, c'est que le nouveau prof de science nous donne des genres d'énigmes à résoudre ces temps-ci, puis... Oui, des énigmes scientifiques?
C'est donc bien le fun, montre. Ah, mais c'est facile. Ça fait pas pour qui, là, tu sais. Toi, tu me presses tellement, là. Bon, OK, je vais t'écrire les réponses, là, mais c'est parce que je veux pas que tu te fatigues. Ouais, je sais. Vincent, ça fait bang! Franchement, j'ai survécu à une commotion, votez pour moi. Il a mis ça où, sur Facebook? Des gens avec des bandages sont des aussi, j'imagine. Hey, tout un représentant, Vincent. Moi aussi, j'en ai des idées, ma blonde. Viens voir. Excuse. Monde, regarde, il y a déjà 14 jeunes. Il faut vraiment faire quelque chose, là. On peut pas lui laisser ce poste-là. Mais c'est justement ça que je fais, Félicie. Et Félicie, représentante officielle. C'est cool. Mais t'es sûre de la photo? C'est quand t'avais perdu ta barrette. Ouais. Quoi, ça fait sympathique, là. Puis j'ai mis plein de qualités sur ton profil, regarde. Ouais, mais sur ta page, t'as pas invité d'amis. Personne peut la voir. Je savais, là, je t'ai rendu là. Bon, passe-moi ça. C'est quoi, là, t'es rendu spécialiste de Facebook? T'es super peinte par ça, mais... Regarde, si tu veux que je t'aide, là, je peux inventer des statues drôles, là. Je suis super bon là-dedans. Mais pour ça, il faudrait qu'on le fasse ensemble, pendant l'heure du dîner. Pendant que toi, Maud, tu distribues les affiches, hein? Je voudrais. C'est mais... vraiment pas le moment d'accaparer Félicie. Il faut qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Puis on s'était dit qu'on allait écrire le discours ensemble, Maud pis moi. Mais moi aussi, je veux t'aider, là. J'ai plein de bonnes idées. Bon, tiens. J'ai invité des amis, puis j'ai corrigé tes fautes. Maintenant, tu peux faire des propositions pour la classe sur la page. Mais pas comme Vincent, pis pas des jokes plates. Oh, puis tu pouvais aussi distribuer le reste des affiches. Hey! On est-tu dans l'équipe? Ben oui! Hey, hey, hey. Ça, c'est pas le monde qui promet de voter pour moi. Hein? Pis ça? Ah, ça, c'est les solutions aux énigmes de monsieur Noël. Pas touche. Qui commande, là, j'ai un petit cheveu, là, pis je comprends rien à sa mauvaise énigme. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Pour que ma blonde soit fâchée? Déjà que ça me tente pas trop de faire ses patentes pendant qu'elle écrit son beau discours avec Maud. De quoi son discours? Ouais, c'est bien trop gossant d'être représentant, là. Elle l'est même pas encore, puis je me sens déjà tout seul comme une vieille paire de bossards. Fallait écrire un discours, moi, mais... Personne m'a dit ça, moi. Ça a l'air. Je pense que... Regarde, je devrais pas te dire ça, là, mais... Ça m'arrangerait pas mal que tu gagnes. Je demande rien que ça, là. Puis tu pourrais t'arranger pour que ça marche? OK. Je t'ai jamais dit ça. Tu m'as pas entendu dire ça, puis Félicie doit jamais savoir ça, OK? Mm-hmm. Bon, comment je fais? Ben, t'as dit à ta blonde que tu l'aiderais, hein? Ben, je distribue déjà les affiches, là, puis je suis censé remplir sa page Facebook de propositions pour la classe. Ah ben, tu pourrais faire des propositions, je sais pas, comment dire... Genre plate? J'ai jamais dit ça, t'as jamais entendu ça, puis personne va savoir ça. Ouais. Puis j'aurais quand même l'air de travailler pour elle. Voilà. Pour ta classe! Voici! Voici! La meilleure petite, c'est qui? Choisis! Félicie Sissi! Parole de bocage, c'est Vincent. C'est parole de bocage. Mon tadine sonnerie. Ouais, j'espère que t'es pas trop découragée, ma blonde. Quoi découragée? J'ai fait ce que j'ai pu sur Internet, là, mais tu sais, Vincent... Il est fort. Vous autres aussi? On est rendu à combien de gemmes, monde? 14! C'est autant que Vincent tantôt! Hein? T'as pas vu? Hey, la bonne idée que t'as eu de proposer ce film-là, Le Prince des Rues. Je l'ai vu au moins 5 fois, mais c'est pas grave. Puis pour la sortie au musée aussi, on a plein de gemmes. Attendez, là. Ça fait que c'est une bonne idée de proposer des affaires ordinaires. Je veux dire, des affaires de même pour la classe. C'est pas ordinaire, c'est utile. Puis l'aide aux devoirs obligatoires, j'en reviens pas. Ça aussi, c'était ton idée. Hey, c'est pas mal mieux que Vincent. Il a tellement rien à proposer, lui. Oh, wow! On a 16 gemmes! Et c'est plus que la moitié de la classe! Oh, mais oui! Tu vas entendre notre slogan? 5, 6, 7, 8. Pour ta classe! Vas-y! Vas-y! La meilleure, tu sais, c'est qui? Choisis Félicie Sissi! Félicie Sissi!
Comme représentant, je programme. Je proteste. Je propose. Je sais pas. OK, Vincent, je veux pas te faire peur, là, mais je viens d'aller sur un site pas mal inquiétant. Francis, j'ai pas le temps, là. Faut que j'écrive un discours. Non, mais faut pas que tu capotes, OK? Mais il paraît qu'il y a des gens qui avaient des commotions, puis qui pensaient qu'il allait bien. Puis là, paf! Ils sont morts? Ben non. Ben, je sais pas. En tout cas, ça le disait pas. Mais moi, je veux vérifier si t'es correct, OK? J'ai bien étudié leur site. Montre-moi ta tête. Regarde, Francis, qu'est-ce que tu comprends pas? Là? J'ai pas le temps. Le mauvais caractère, ça peut être un des symptômes. Est-ce que t'entends comme une espèce de... un bourdonnement? Hey. Je pense que oui. Vincent, je l'entends moi aussi. Oh non, je me suis cogné la tête vraiment fort ce matin. C'est le néon, innocent. Oh, je pense que je vais vraiment devenir malade avec tes niaiseries, là. Les sautes d'humeur, ça aussi, c'est un symptôme. OK, là, il faut se calmer, là. Regarde, si tu veux que je me calme, là, aide-moi donc à écrire mon discours. Puis pendant ce temps-là, moi, je pourrais me reposer. OK, je vais essayer, mais c'est bien parce que t'as pas l'air bien. Pire que moi, en tout cas. Vincent, ça va mal, là, il y a un buzz. Pas toi aussi, là. Ah, c'est le néon, là. C'est pour ça que tout le monde entend pssst. Non, pas pssst. Un buzz sur Internet. Les affaires plates que j'ai écrites pour ma blonde sur Facebook, là, ben, ça marche. Il y a vraiment du monde qui vont voter pour qu'il y ait plus d'aide aux devoirs. Ah, je suis en train d'écrire la même idée. Je sais pas, là. Arrange-nous pour que le monde aille sa blonde. Non, je veux dire, pour qu'ils veuillent pas voter pour elle. Pire, envoie des textos à tout le monde, puis dis-leur qu'elle s'en fout de la classe puis qu'elle fait ça juste pour gorer contre moi. Hein? C'est bon, ça. Mais elle va le savoir, là, si c'est moi qui envoie les textos. Ouais, mais il y a des logiciels qui existent pour ça, pour masquer ton numéro. Ah, tu vois? T'es pas si malade, le frère, là. T'as encore des bonnes idées? Ouais. Mais je sais pas, là, on dirait que je suis étourdi. Alors là, t'es pas étourdi, là. Parce que t'as un discours écrit, hein? OK, ouais. Allez. Non, vas-y, vas-y! La meilleure petite équipe! Ah ouais, vite! Vite! Ah, Félicie, t'es là? Maud a reçu un texto. Bienvenue dans le 21e siècle, Maud. Ha-ha. Ça parlait de moi. Ça disait de pas me choisir comme représentante. Ah, oh, ouais? Ben voyons, qui c'est qui peut avoir envie d'écrire ça? Je pose la même question. Surtout que dans le message, il y avait une faute. Regarde, tu devrais arrêter de t'en faire avec tout ça, là. Ça disait tout le monde trotte que c'est Vincent qui devrait être choisi comme représentant. La même faute que tu fais tout le temps. Mais c'est pas moi, là. C'est mon autocorrecteur qui fait ça. C'est toi. C'est toi, Brandon Lee, mon chum, qui a écrit ça. Oui, mais non. C'est parce que je veux pas que tu sois choisi, bon. Comment ça? Parce que je t'aime trop. Félicie. Touche-moi pas, OK? Écris-moi pas. Si vous m'élisez, vous le regretterez pas. Félicie, ça rime avec sympathie, avec du lundi au vendredi, puis avec changer ta vie. Puis ça rime aussi avec merci. Félicie Sissi! Félicie Sissi! Bravo, Félicie! Tiens, c'est tout ce que j'ai pu faire. C'est pas long, j'espère que ça punch. Hey, parle-moi pas de punch, là, j'ai l'impression qu'il y a des gants de boxe qui me t'approchent le cerveau. C'est donc ben n'importe quoi ce que t'as écrit! Oui, mais j'ai pas pu faire mieux dans mon état, tu sais. Toute la journée, vous vous êtes dit, hein, mais c'est qui je choisis pour être mon représentant? Puis toute la journée, je le sais, il y avait le nom de Bocage qui vous revenait en tête. Tu ne demandes pas pourquoi, hein? Parole de Bocage, c'est Vincent qu'il vous faut. C'est Vincent qu'il vous faut, qu'il vous faut, qu'il vous faut. Parole de Bocage, c'est Vincent qu'il vous faut. C'est Vincent qu'il vous faut, qu'il vous faut, qu'il vous faut. Parole de Bocage, c'est Vincent qu'il vous faut. Parole de Bocage, c'est Vincent qu'il vous faut. Si vous me choisissez, vous allez toujours pouvoir compter sur moi pour une bonne blague puis pour que vos problèmes se transforment en un rien pantoute. Et si je connais un mot qui rime avec représentant, ben ce mot-là, là, c'est Vincent. Oh oui, monsieur. Oh oui, madame. Parole de Bocage, c'est Vincent qu'il vous faut. Vincent, 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 Vincent. Dépêchez-vous de voter, il faut faire ça avant que le prof arrive. Ouais, pas pire pantoute, frère.
Bonne chance, on se revoit après ton cours. Non, okay? Non, Francis, je me sens vraiment mal. Tu te sens mal comment? Ça tourne vraiment. Ok, 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 je te tiens. Attends. J'ai juste eu un petit coup de mou après mon discours, c'est tout, y a rien là. Non, non, y a pas rien là. Il va falloir que tu commences à faire un petit peu plus attention à toi. Mais c'est pas comme si j'étais en train de mourir non plus. Là. Non, mais tu risques de retarder ton retour sur la patinoire si t'essaies de faire les choses trop vite. Je sais même pas comment j'ai fait pour le ramener à la maison. Avec ma commotion. Mais t'en as pas de commotion. Peut-être. J'ai une bosse ici. Bon, 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 bon. Ça va bien aller si tout le monde respire, puis si on surveille les effets secondaires quand il y en a. Hein? Ce qui s'est passé tantôt, là, c'est juste un avertissement. Mais pour vrai, j'ai pas de bosse, là. Francis. Ta bosse est minuscule. En dessous, puis une commotion cérébrale, il y a toute une marge. OK. OK? Hey, c'est bon. Elle dit que j'ai gagné. C'est moi le représentant. Mais ça. T'es-tu sûr de ça? Ici, je voulais juste te... Allô? Regarde, t'as pas de chum, là, ça fait qu'il y a des affaires que tu peux pas comprendre. C'est juste normal qu'un c'est gars normal soit... C'est normal qu'un gars soit moron à ce point-là. OK, bye. T'avais quelque chose à me dire? Ouais, mais comme je disais à Maude, là, c'est normal qu'un chum s'inquiète quand sa blonde passe plus de temps à organiser des affaires plates qu'à être avec lui. Mm-hmm. Mais ça excuse rien. Puis t'as le droit de faire ce que tu veux, comme tu veux. Excuse. Mm-hmm. Puis si t'avais été élu, ben, je t'aurais appuyé, genre, à 100%. Ça tombe bien parce que la représentante de la classe, c'est moi. Vincent vient de m'appeler pour me donner sa place. Yeah! Yeah! Bravo! Oui, yeah! Puis comme je peux pas faire les choses à moitié, je vais avoir besoin d'un attaché politique. Ben oui. Un quoi? Quelqu'un pour organiser mon agenda, gérer mes dossiers, taper des trucs à l'ordi. Ce genre d'affaires-là. Ça a l'air le fun. Je te niaise, Rapadou. Je veux juste que tu sois content pour moi. Hein? Puis que tu m'amènes au casse-croûte pour fêter ma victoire. T'es plus fâché? Hein? Ça fait qu'on va au casse-croûte juste nous deux. Là. Avec moi? Elle a travaillé tellement fort. OK, c'est beau. Je trotte que c'est mieux si vous y allez juste vous deux. Ouais, bye. Tu sais, mon gars, là, je suis vraiment fier que tu vas le faire de la politique, là, mais t'as en masse de temps devant toi. Mais oui. Puis puisque vous êtes pas sur le bord de mourir, ni un ni l'autre, faut fêter ça. Mmh? On se corde la pizza? Oui. Mais avant, on va se faire une petite séance de relax au max. Ça va nous faire du bien à tout le monde. Maman, s'il te plaît. Ah! Pas de relax au max, pas de pizza. Hein? Hein? Allez, allez, allez. Relax. Relax. Au max. Oui. Allez, inspire, inspire. Relax. Au max. Une dernière fois. Relax. Hey, salut! Viens créer ton propre univers de Subito Texto.